Samuel ! Et lui alors ? Il peut me prendre comme ça par les cheveux, il peut me traîner sur le sol, Hugh Grant. Il me fait l'amour sans même me demander mon prénom. Il me jette après, je fais le plus grand kiff de l'histoire des kiffs. Mais quelle journée de merde ! C'est le chauffeur de papa qui va t'emmener, hein ? Et c'est comme ça, c'est décidé. Voilà, je t'embrasse, là je suis débordée. Tu vas pas laisser un mec se mettre en travail ? Un mec, c'est mon mari. T'as tout là ! Qu'est-ce qu'il y a qui te manque ? Rien. Elle est rentrée chez elle. Elle a dit non. Mais c'est pas possible, quoi. Je vais pas aller dîner avec un mec que je connais pas, alors qu'eux, ils traitent comme une boniche pendant qu'ils matent leur foutre. Hé ! Mais vous étiez aussi beau tout à l'heure ? Absolument pas. Il fait pétasse, mon t-shirt ? Non ? Mais les pieds, grave. Paul Blamberg, Isabella Azoulay, my wife. Your wife ? Ouais. Non, ex-wife. Qu'est-ce qu'il fait là ? Chut ! S'il décontracte, like chez vous. Oh là là ! Comment tu veux que je trouve un mari en regardant des DVD avec toi toute la journée ? Mardi 4, ça te va ? Je regarde. Ah, le 4, ça va être un peu compliqué, là. Tu sais quoi ? Je veux plus jamais que tu parles comme ça de ma vie. 40 ans de France pour que ma fille, elle épouse sa bonne. Mais c'est juste pour les papiers, c'est pas un mariage d'amour, merde ! T'es sérieuse ? Mais oui, je suis très sérieuse. Je savais pas que j'étais malheureuse avant. Ah non, mais attends, mais ça, c'est le grand problème du bonheur. Un jour, ton fils, il va devenir pédé. Marc le tient aussi. Je vous promets, c'est ma voiture, là. Attendez. Tu paries qu'elle revient avec la voiture. 20 euros. Oula, j'ai rendez-vous chez la manucure, là, dans une demi-heure. C'est à l'autre bout de Paris, je peux pas... Je suis débordée, moi, vous savez. Ouais, hein. Je parie aussi. Tu paries quoi Elle revient avec la voiture. Ah, bah, y a pas de pari, parce que...